Là, on me donne une paire gratuite ici. C'est très bien, parce qu'elle va se mettre sur le dessus quand je vais aligner la rouge avec la verte, là. Mais sauf que lui, là, j'aimerais qu'il soit là. Mais je peux pas, ça va casser la paire. Comment je fais? Comment je fais? Oh là là, je suis obligé de faire ça. Je déteste faire ce genre de croix, là. Je fais la croix, je mets la paire et je finis la croix après. Comme ça. Voilà, comme ça. Je déteste ça. Je devrais refuser de le faire. Quitte à pas faire un bon temps. Donc c'est un petit peu dommage. Sinon c'était un bon solve à part ça. À part ce souci. Ok, j'ai encore une paire là que je vais essayer de conserver à nouveau. Cette toile-là, j'adore. Ah là, j'adore ce genre de croix là. C'est-à-dire que là j'ai juste. Ah non, pardon, je décale pas au bon endroit par rapport à la caméra. Là c'est fait, ça j'ai juste à faire L. Et après pour ces deux-là, on peut faire U, R2, F. Comme ça, celle-là elle vient là. Hop là. J'aime beaucoup ça. Cette technique. Et en plus, ça va me faire cette paire-là. Ah ouais, ça va être bien, hein. Résolution cool qui s'annonce. Ah bah j'ai encore fait 10-30. Alors je vais tenter une nouvelle X-Cross en décalant, en créant le bloc avec ça et ça, en le redécalant là où il est, en mettant l'arête là et en revenant après. Ah, c'est un peu long mais... Comme ça. Ah bah enfin sub 10. Bah décidément, j'ai encore une paire gratuite. Je vais plutôt me mettre comment? Comme ça plutôt. Tac tac avec un D. Comme ça. Ah mais comment j'ai pu faire un 10? Ah, j'aurais dû faire 8. Bon bah là je vais insérer l'arête là. La plupart des gens qui s'occupent de l'assaut, ils ont tendance à être vachement modestes et tout, donc même quand on répond à des mails, d'émissions télé ou etc. Bah honnêtement ça a pas trop s'imposer. Elle est vachement modeste. Alors qu'en fait on pourrait dire non mais voilà en fait on peut donner des conditions à prendre ou à laisser puisque de toute façon ben des gens en France spécialistes du truc comme nous, il n'y en a pas d'autres en fait. Enfin si on les connaît, c'est nos potes, donc on peut se permettre d'être à peine exigeant sur certaines choses. Genre recevoir un petit peu de pub en échange d'une intervention ou ce genre de choses. Non, parce que là, si je fais L prime F R prime U prime, je suis parti sur une double X cross, hein. C'est-à-dire que si je fais ça. Bah, le cube était fait en fait. Ok, je sens que ça s'améliore un peu niveau concentration. En continuant là sur 3-4 temps. Tac, déprime.
Prime tac. Je pense que Antoine dirait c'est encore possible. Donc si Antoine dirait c'est encore possible, alors on va y croire. On va avoir une paire orange verte gratuite là. Comme ça. Un joli 10. Donc c'était effectivement encore possible d'avoir autre chose que 12. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va faire ça, hein, pour conserver la paire et la rentrée. Rentrer celle-là et celle-là. On a la fameuse PLL Super G. Mais bon, le blocage infini là, il était limite un peu ridicule. Voilà un petit 10. Bon après là le mélange était vraiment, c'était pas vraiment GG du coup. Chose que l'on a pu déduire de ces explications techniques que j'ai données. On va tenter la technique du petit U. Voilà. Technique que je pratique pas souvent donc j'ai toujours peur que ça foire. Dommage cette PLLN.